Quand est-ce que j'ai vraiment vu pour la première fois le travail de Johan, c'était il y a très longtemps. D'une part en France, à la Villa Arson, et à New York, les œuvres m'ont énormément frappée, je m'en souviens encore aujourd'hui, parce qu'elles étaient à contre-courant de tout. Johan est quelqu'un d'extrêmement original et personnel, qui n'est absolument pas classifiable. Il est vraiment très particulier parce que sa céramique, à part quelques œuvres, est figurative. Et je considère que Johan est quelqu'un de très original, de par les sources de son œuvre. Ce que Johan a, c'est que lui, il vient de différentes inspirations. Alors, on peut voir le Moyen-Âge, Bernard Palissy chez lui, un renouveau d'une céramique très ancienne, donc avec une inspiration gothique, moyenâgeuse. On peut voir aussi des thèmes antiques, des femmes drapées, des civilisations érythréennes ou vraiment moyenâgeuse, gothique ou même romane. C'est de toute façon, la céramique par la substance même de ce médium, et ça, le fait qu'il est cuit, qu'il est peint et passé au four, il y a quelque chose de très ancien dans le processus et que fait revivre Johan, et on sent toujours une origine d'une civilisation très ancienne. Alors, la question se pose par rapport à la nature des collections contemporaines. Pourquoi Johan Creten dans une collection? Je pense que c'est important parce qu'il illustre un courant extrêmement original, extrêmement personnel. On ouvre une collection vers quelque chose qui est dans les trois dimensions figuratives et reliées à certainement un courant de civilisation plus ancien que celui du XXe siècle.